Bonsoir, très heureuse d'être avec vous dans ce énième numéro d'Intima qui aujourd'hui pense vous parler de la sexualité des jeunes. Sexualité qui, c'est vrai, des jeunes tournent entre l'âge de 10 ans et 24 ans. Entre ces âges-là, il faut savoir que les jeunes ont un corps qui se développe petit à petit. Vers les âges de 10 ans, le corps change et cherche à ce que la femme ou l'homme commence à avoir les premiers éléments qui lui permettront de prouver qu'il peut produire. Autour de 18 ans, le jeune devient majeur, mais il finit vraiment sa jeunesse autour de 24 ans parce que, aussi au regard de l'éducation, le jeune peut sortir de l'université s'il n'a pas repris d'année. Mais dans toutes ces années, entre toutes ces années, la jeunesse est remplie de sexualité et remplie de bien des choses qui font que il est exposé aussi au regard de l'éducation diffuse. Mais par rapport à tout ça, nous devons savoir que nous ne pouvons pas parler de ces sujets tout seuls. Nous avons demandé au docteur Berry Mutombo de nous accompagner pour nous aider à voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut aider la jeunesse à voir comment elle peut éviter la sexualité avant l'âge. Qu'est-ce que la sexualité avant l'âge? Tout ça, nous allons savoir avec le docteur Mutombo, avec qui nous discutons dans ce plateau. Bonjour docteur. Bonjour madame Anna. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. C'est vrai que les jeunes sont en matière d'éducation, doivent parler français, X et Y, mais ces jeunes-là sont éduqués par des parents qui nous demandent à tout moment de communiquer dans les langages qui permettent à ce que tout le monde puisse être vraiment bien à l'aise, même si tout le monde comprend cette langue que nous parlons, le français. Alors docteur, bilingue, bazala batumo mitupas, baza batumo robayo karamingite, bakoma na moma mobe oyo, et c'est difficile à concerner bango. Et ça commence pratiquement autour de l'âge de 10 ans où on est pratiquement prépubère. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique, hein, au niveau organique de jeunes de ces âges-là par rapport aux questions de sexualité? Pour commencer par là. Merci d'abord pour l'émission, l'invitation aussi, ainsi que pour les sujets. Les appels, sujets mauvais à l'actualité, c'est quand même intéressant. Surtout parler des jeunes. Moi-même, je suis jeune, mais bon. Jeune. En tout cas, vous n'avez pas 77 ans, voilà, vous êtes encore là. Je suis encore là. Jeune, je suis fort et parler des jeunes en tant que jeune, ça me fait énormément plaisir. Et surtout que ma question mine se pose à un niveau à cité et tout ça, les jeunes nous posent des questions et nous constatons et nous voyons aussi ce qui se passe dans la jeunesse. Et des fois aussi, c'est déplorable, surtout en matière de sexualité. Donc, c'est pour dire que le sujet est quand même assez intéressant. Je pense que Ndengenzamba a créé l'organisme et en moutou. Plus ça doit avancer, plus il y a des choses qui se développent dans l'organisme et dans les autres. Notamment, nous avons des hormones aussi. Il y a ces hormones, tant que tabotami, peut-être les ananas, ou la quantité suffisante, tout bien, ça va se manifester dans nous. Et plus nous allons évoluer, et comme il va se manifester, et comme il va besoin, comme il va changer. Moi, je crois que ce que l'ami soit battu, parce qu'on a une petite fille qui pouvait traîner là, nue. A komi koluka à côté de la salle de bain, assis ma ramené nyo son moni abimi à la je les vois. J'ai une fille de 11 ans. Avant, elle pouvait trimballer comme ça devant ses frères et tout ça. Mais depuis un certain temps, tu sens que tout elle finit dans la salle de bain. Elle amène ses habits là-bas, tout. Elle veut pas que les autres puissent voir. Pourquoi? Parce que par moment, on est comme un mata. Bah, sentiment, on se comme un mata. Bah, blou, on se comme on s'est préparé pour du mananzoto. Bah, on se prépare dans un zoto, mon koza un peu. Et s'est développé un peu plus vite. Moi déjà moi va signer à ma belle comme il y a et tout ça ça là que a commis un peu réservé et des natures comme ils a déjà nous ils a dans la carte à psychologie à mutu ndengenza basaleli yango avant de sentir paix moi ma pulsion parce que vous allez remarquer que ces enfants là ils sont maintenant attirés même quand il y a des films qui passent quand les gens s'embrassent tu vois il y a tendance à okimi ça ou tendance à bazami balé bazo finana et tout ça pour dire que avant bazo ça là en côté. Mais eh ben, ça réagit, il y a une certaine réaction qui se passe dans leur organisme, donc ils ressentent ça. Donc voilà un peu, déjà ils sont aussi ouverts à la sexualité. Donc c'est une période aussi, il faut que mes parents va veiller sur les enfants. Veiller ou communiquer, qu'est-ce qu'il faut? Bon, veille son quand j'ai dit veiller aussi c'est avoir le temps de parler avec eux et aussi leur suivre, c'est aussi important. Parce qu'il y a des parents aussi qui délaissent les enfants comme ça. Et vous savez qu'actuellement, les moyens les plus rapides d'apprendre, il y a l'Internet et il y a aussi les amis, l'école. Donc, il y a une certaine communication qui se passe entre les enfants, des fois, que les parents ne connaissent pas. J'ai eu à suivre un cas où un enfant de 13 ans, non, 12 ans, on va expliquer que si tu restes vierge jusqu'à 15 ans, tu n'auras pas d'enfant. C'est à l'école qu'on l'a dit ça.
Alors, préoccupée par cette histoire, elle est venue en parler à sa maman. Sa maman a dit, bon, comme j'ai un ami qui est médecin, viens, il va t'expliquer. Donc, c'est pour dire que... Heureusement encore voilà, que l'enfant a posé la question. L'autre, a posé appelé Amélie Yango. Moni ba école ba no ba kenda otanga ba école wana ba gombe wana ba zadi wana ba copain na ba 5e 6e primaire et facilement comme on appelle moi na bandi ba histoire oyo yebite l'enfant peut se retrouver comme ça déviergé. Donc c'est aussi important cet aspect de communication, important de pouvoir en parler. Ming ya ba mission na biso to zolobela ming to lobela mikolo, tu vois que nous retombons toujours dans problème ya communication. Pourquoi les gens n'arrivent pas à communiquer sur les sexes? Parce que dès les bas âges, ils n'ont pas été éduqués par rapport à ça. Si vous avez déjà été éduqué par rapport à la sexualité dès les bas âges, je crois que l'obisso comme fiancé ou comme marié, tu ne te gêneras pas de communiquer aussi avec ta femme, avec ton mari. Si beaucoup ne le font pas, parce que les blocages et outibanda, l'enfance, surtout ceux qui occupent dans la tribu, il y a la tribu mingi, sujet à sexualité. Et moi, je prends toujours exemple à côté nanga, pour le bâtir que on a tangi et koloboué. Chez nous, les baloubas, c'est très difficile. Au moins, nos parents vont parler sur la sexualité avec les enfants. Moi, je n'ai pas eu cette opportunité d'en parler avec mes parents. Et déjà, des fois aussi, bah, sujet, je crois que dans ma coulisse, quand j'aborde des émissions comme ça, ma mère m'interpelle toujours. Bien que mariée déjà, émission, tu vois, un peu, c'est une culture, mais qui bloque aussi certaines choses. Et ceux qui peut-être ont une éducation, quelconque, t'es peut-être Sunga Kyo. Na ko échanger na baninga na ko zobe expérience à libanda, on pouvait peut-être faire des dégâts, peut-être bisotomie bateli, mais il y a des gens qui ont eu à faire des dégâts. Pourquoi? Parce que ba loko ti ba information mingi libanda, or information mingi libanda ezaka toujours vrai, toujours une interprétation, ou bien oh sa bébé alingi pa bébé sa baninga créer, voilà, créer moi le romoro boyale, et tout le monde commence à suivre ça. Donc voilà. Alors qu'est-ce que le parent doit dire, comment le parent doit aborder la question? Et à quel âge, pratiquement? Moi, je pense que tu as parlé de l'âge des 10 ans. L'enfant commence déjà à... Déjà, quand moi, je suis avec ma femme, tu vas remarquer la réaction des enfants. Les autres, là, ne bougent pas. Mais à 10 ans, à 8 ans, tu vas remarquer, c'est peut-être à l'aller lieu consommant, tu sens que ces enfants, ils sont tous les enfants. Quelque part, ils ont une intimité, ils ont réveillé, ils ont katina bango. Je pense que c'est en ces moments-là qu'il faut trouver des mots pour commencer petit à petit à introduire. Nous, nous passons souvent par des films. Il y a des films que nous les avons interdits de suivre. Nous avons dit ça, ce sont des films des adultes. Quand vous suivez ça, il y a des scènes que vous ne pouvez pas pratiquer à cet âge. Quand vous allez commencer à suivre ça, ça risque de pour commencer à y avoir ça c'est avant la bidon malembe, 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 malembe. Et vous allez vous retrouver dans des histoires où peut-être au canis a quitté. C'est en ce moment-là. D'une manière ou d'une autre. J'ai des jolies filles. D'une manière ou d'une autre, on va leur draguer. D'une manière ou d'une autre. Bah, on va toujours déranger. Ça, je me mets toujours ça en tête. Mais je pense que si j'ai à communiquer quelque chose à mes enfants, que je sois là ou pas, soit déjà dans un bagage, je crois que ça va leur aider. Ça va vraiment leur aider. Nga ilo ko aider nga mingi zaba livre lecture. Elle sait qu'il m'a beaucoup aidé. Les parents, je vous ai dit, je n'ai pas eu l'opportunité. Échanger mingi té, les autres parents oyo azana moi livre wana ka aux parents ko tanga. Chama ne koma papier ngouba té. Malheureusement, les autres lectures ils sont sous Matimba côté Facebook et tout ça, internet et tout. Je pense que c'est ça. Ils ont outil, moko bien, mais si nous pouvons bien utiliser ça. Alors, dans 10 ans, on a trouvé qu'il y a 10 ans, 12 ans, bah, nous avons des règles dans la bango beaucoup plus tôt pour les filles. Ouais. Mais on sent le changement dans d'autres en moana. Et puis, il y a ceux qui ont évolué. Tout ce qui est en moana, moi aussi. Moi, je suis les obima. Il y a quelque chose traditionnellement, et ça, la raque, ma maman va bête en moana, moi aussi. Je suis en moana, je suis en moana. Je suis en moana, je suis en moana. Pour que, et il y a écoutana. Il y a des inconvénients pour ça, parce que ça fait partie des questions de sexualité des débuts. Il y a un ajoana. Je pense que nous avons foufou en moana, évité. Peut-être que nous avons un peu de temps. Les gens là-bas, si haut, ils ont vraiment des états foufoutés, qui ont l'air sain normal aujourd'hui. Qui ont le développement, il y a des organes sexuels là-bas, normal. En tant qu'Africain, je pense que ils ont la tradition, ils ont le goût de la coco. Ils sont en train d'emboîter les pas. Je crois qu'ils ont eu à avoir une source quelque part, comme ils ont dit, Tijuana.
On entend parler de ça. Sur le plan organique, sur le plan, je ne sais pas comment on dit, physiologique, c'est mauvais. Bon, comme ce sont des pratiques qui sont mécaniques, ils les font et ils croient à ça. Mais sur le plan physiologique, qu'est-ce qui change? Mais ça peut déranger les nerfs, ce sont des nerfs qui bon, sont... Bon, je ne connais pas teneur ou non, à mon avis, c'est un mot. Donc moi, c'est un mot qui a douleur. Absolument. Ok. Et puis, ma papa, si ma beaucoup moins le baba, mais m'a prouvé scientifiquement que il faut ma papa va mettre la peau pour éviter les cancers des seins chez les femmes. Ça, ouais. Mais c'est une nourriture par excellence, au moins, on peut mettre la pendant 6 mois sans que, après sa maman, on peut sa moi la pendant 6 mois sans qu'elle appelle sa émail. C'est une campagne. Ouais. Maintenant, et le quoi, on a relié à Anna, et c'est une ébate la main, un bon molonite, ou l'ingé bota. Au bando bêta, on se saison ensemble, belle potan, on bimé, bima verdure à malamou. Je pense qu'ils peuvent, d'une manière ou d'une autre, traumatiser aussi les seins de l'enfant, parce que les organes, et yozo bêta. En tout cas, non, on a assisté à place de la mais je suis en train de présumer. Qu'est-ce qui peut-être est. Ça peut traumatiser aussi. Ça peut créer aussi ma douleur. Ok? À ce niveau-là, oui. Mais sur les plans physiologiques, comme ça, ça veut dire que. Parce que ma bête qui est créée, qui est l'eau boyée. Non, je ne vois pas. Je ne vois pas. Mais sur les plans mécaniques, que ce qui douleur est à ma casse, en tant que nzoto, ça peut réagir. Initialement, si vous avez un père, vous avez un peu de temps à l'eau, vous avez un peu de plantes, vous avez un peu de temps à l'eau, mais vous avez un peu de temps à l'eau, vous avez un peu de temps à l'eau. Si vous avez un peu de temps à l'eau, plat, qu'est-ce qu'il faut dire aux parents? Parce que les traditions et l'IAK à Mingi, les personnes qui sont instruites, hein, ça reste dessus et même quelle que soit l'instruction, les personnes ne changent pas. La manière de voir les choses. Je crois que Oyami Balé et Gobimana Yango, vous êtes sans le savoir que ma belle union se fera la grandeur, mon coco. Vous l'ignorez pas. Pas si on se peut voir l'andabis, ou même ma maman, on a baillé, l'union se fera. Mon souci, c'est que moi, je suis un peu. Donc c'est tout à fait normal. Ce qu'on a dit, qui avant, mon souci, c'est que je suis un peu Rolanda. Pour être et Zouaka, la même proportion. Ça sera toujours comme ça, des alaka. Écoutez, c'est qu'elle a rappelé aux alas. Mon cousin, mon souci, mon qui. Donc, je regarde la caméra pour dire aux parents, ça ne sert à rien. Il y a au bêta. Et là, voilà, au bêta, ceux qui nous étaient à foufou, ceux qui nous étaient traditionnels, bah, tigre, bino. Mon cousin, libérez mon cousin, mon aîné, mon souci, mon qui. Et qu'on change à côté. Au bêta, non, on a pu changer à mon aïe, l'eau, mon côté. Éviter de faire du mal aux enfants. Voilà, nous on y aura moins pour rien. Et bah conception là tout le monde un peu dans tout ça sert à rien tout ça. Alors la petite fille commence à pousser, elle grandit, moi mes collègues les cas, à quoi mon beau t'as pas poil. Bah la mousse bah bon bah je sais pas en généralité ou en grande partie, mais mousse peut pas l'accepter maman t'as pas su que comment tu m'as kuna. Pour kuna on a le fait déjà que les soleuses à la rater, bah personne n'aura comme kuna. Maman t'as pas su que zobi m'as kuna. Qu'est-ce qu'il faut que le parent fasse, docteur? C'est, je pense que c'est très important. Toujours le problème de la communication. Tant que babandi ko solo la naie, il faut peu babandoé bissé bah changement ou alors putain la monde anzo tonaie plus tard. C'est aussi important. De façon à ce que tant que déjà eu au préparé et que bandi, il y aura pas de barrière pour qu'il vienne te dire, par exemple que non j'ai remarqué bah poil et bandi ko les poils plus bien par exemple et bandi ko bimanga. J'ai remarqué que ma belle et Baniko s'est développée. Pourquoi? Parce que déjà, il y a à l'avance au préparé qui est. Pour Naye, il n'y aura plus de blocage. Il y aura plus de blocage. Je connais des parents qui n'ont pas préparé des enfants. Banabake, retraite, yabana, scout, une histoire comme ça. Alors, moi, je suis règle et on a 12 ans pour la toute première fois. L'enfant commençait à crier. Je suis blessé, je suis blessé. Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-nous, calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis blessé là, au fond. Ce sont des règles, c'est normal. C'est normal pendant que mon tournant a scandalisé. Comment il sait ce que c'est normal, ça peut arriver, calmer.
Tu m'as bien dit mes parents, mais comment Boutika là, Bopsola, non, moi, on a bien noté, bonabo, bonabo. Et ça, ce sont des choses qui arrivent couramment. Moi, on a walké dans la classe, ou écoute, dans la première règle, comme l'enfant n'était pas préparé, il peut crier aussi dans la salle. Qui non, a gagné, ah, madame, je suis blessé, bonabo. Tu vois un peu scandale qu'on crée. Biofani, quand ma camarade, nous, on a bimé le brusquement, maman, je suis blessé. Bien, moi, il y a un souci, Zaka. Et baby si bilamba la tête pantalon et baby si bilamba zoe ba pété. Azaka bon boulou yé ka zo tambola. Finalement, il faudrait se coller yo moni. Oh, viens. Bando yé ka, il faut prendre ça tu mets. Non, il faut déjà qu'on prépare, qu'on explique que non, chaque mois à un certain âge, au bando mon la va menstruer na yo et zaka boye et zaka boye et zaka boye zaka boye. Quels sont les soins qu'il faut prendre? Comment est-ce qui ce que au sentir peut les femmes ressentent quand même moi des signes préalables, sans que non, elle aime sur moi, les boumou, bonabou, fais-moi toujours signe pour que je t'achète tes bandoubes. Soit ceux qui ont des arbres, ils ont tiens un sac, tu vas avec à l'école. Au cas où peut-être tu peux aller uriner, tu vois même des premières gouttes de sang, tu peux déjà placer ça. Donc des petites histoires comme ça, enseigner à l'enfant, c'est aussi important. Tout bout canon, barrière, on a. Madame, monsieur, je pense que la question, on reste sur la petite fille, hein, on reste sur la petite fille parce que déjà, moi, Sindé, Ndé Tobengana, Ensima, Azali, Industrie, Oyo, entre autres responsabilités, Nae Mokili. La femme représente l'industrie qui a la charge de fabriquer les bateaux, fabriquer les êtres humains. Donc il faudrait que faire très attention, qu'on fasse très attention à la petite fille, hein, pour que. On ne dit pas que les hommes ne sont pas importants, hein, ils sont très importants parce que c'est la semence qui vient de chez eux. Pour le moment, on a salama, c'est fabriqué. Mais on reste sur l'industrie, donc la petite fille, industrie, donc tant aux salariés, aux fabriqués, société pour lobbyer, pas fabriquer bateau. Aux hommes pénal à vous PTT. Docteur, t'évoluer c'est comme qui? Moi là, on est sur bêtise solo à mon barrage de moi là, mon katuna maman naie. Histoire vraie. Il y a pas grave PTT. Barrage là, maman préparer moi là bien. Que au moins barrage là, boy ça l'a pas expliqué ni on surtout que na agité le coup dans le monde en zone de bandeau changer moi mon qui au coup mon amour libéré la bandeau expliqué ni on sondé c'est pas ça. Moi là tout nié. Maman, si vous avez règle en haut aux zones de Bawana, et ça la passe, pota, et ça la pota, et ça n'est pas ma kila et bima. À ce niveau-là, ce n'est pas évident que le parent explique parce que là, quelque part, l'explication prend des formes un peu. Et ça, c'est la présence de mon gang. Alors, qu'est-ce que vous avez dit à vos parents? Si vous avez maman, vous avez papa, vous avez encouragé au sol, vous avez un travail. Vous avez un travail, parce que ce sont des questions qui peuvent arriver aussi. C'est vrai, mes parents sont assez informés par rapport à la chose. Et donc, la question assez informés, mais n'ont pas les mots. Voilà, ou suffisamment d'outils pour expliquer. Expliquer à l'enfant. Moi, je crois que par les mots simples, il faut dire à l'enfant que Nzambe a tchekati na yo koza na semence. Nde moubali a zarape na semence na ye. Donc, li ki o yo koza anango, o e zarakati na yo wana. Ero koma na tangu ya robota. Tangu e kokuta na o ya papa, nde fo amakamutu. Ok? Mais ce qui, tangu yo zna no komi na age ya robota te, to o komi nan na kati ya libala te. Pendant cette période là, donc, dès que mon iba règle nos ti mukolo kota na libala nous comme ezo kutana na liki ya papa te il faut ekufa kokufa na ngonde ba déchets na ngo ezo bima au travers des sangs donc ba déchets oyo au monaka et bima na mikolo et je crois que explication cause à la simple yango wana mais on peut remarquer que tant yo kota na libala mukolo mungo et que yango liki wana est fécondé au monaka au le bima on ne joue pas la règle non comme ça ma carte tu dois qui est fécondé on est bien docteur bon écoutez sangani et sali mutu abandi ko évoluer na kati ti lobe ko bota mutu wana voilà wana au monaka règle katani pendant période wana nyonso mais il faut aussi aller bisa mona ke il peut arriver que au comme na âge il y a comme on appelle ba règle ce qui est au bimaté ils appellent kama. Parce qu'il faut ébima. Chaque mois, il faut mon agayamou. Ce qui moi, moni, et les qui moi, des moni, moi, on a photo mon amour, qu'est-ce qui fait que les obimate?
Ça aussi, c'est important. Voilà. J'ai rencontré des cas où une dame qui me dit que ça fait 5 ans qu'elle n'a jamais vu ses règles. Elle avait 22 ans. Elle a dit qu'elle avait commencé après 5 ans durant. J'ai consulté en 2014 une fille qui a 23 ans, elle n'a jamais vu ses règles. Elle a une maman, elle vit chez sa grand-mère. Batounaté et l'autre côté, elle m'avait suivi à la radio. La radio m'a invité à partir à Wanande, à Zora numéro, elle m'a cherché. C'est normal. Or, je vais te dire que je suis lobby au Kangelon Bandoki. Donc, c'est important à expliquer ce processus, mais à expliquer que ce qui peut être un peu ou bien un peu de douleur et l'équipe à faut que pourquoi pendant qu'il y a un peu de douleur et l'équipe à il faut tout le pour que peut-être qu'il cause à l'infection, peut-être qu'il cause à la médecin doit déterminer pour qu'il soit soigné au peu. C'est quoi? Le même enfant a demandé à sa maman et qu'il y a quand même bala moko parce que c'était un cérémonial aux beta beta on peut moi le solo et qu'il y a bala moko to e bandoya toute la vie tant va c'est e bandoya ka yaka moi na baya babe. Maintenant, il faut qu'on dise Doriev, ça est nini. C'est vrai que l'explication revient, ça se rencontre. Oui. Mais tant que c'est ébanouillé tout le temps, il y a l'ingé comme on a règle. Là, c'est moi, j'ai anticipé aspect contraceptif. Qu'est-ce que le parent peut dire Non, moi, je pense que les parents doivent être clairs envers l'enfant, que c'est un phénomène naturel de l'organisme et qu'il faut qu'ils aient la rabon pour qu'il y ait la paix. La facilité de procréer parce que nous avons accueilli et bon. Ils allaient dire oui, si nous avons la maïté, tout mais la maïté à ta dernière journée à couf. Donc, à expliquer moi, n'a pas que nous avons la règle et cause à la raboué sans agnons à moins cause à la zémi. Tant que comme à l'air aux oisemi pendant la période où on a la zémi, n'est peut-être au moins la règle n'a pas été. N'a pas si nous sommes faisables pendant la période où on a mélissa. On a la règle nette, mais c'est vraiment des caras. On a la règle nette, il faut maintenant, parents, pour expliquer moi dans ce sens-là que les alignes, mon phénomène mon naturel, ou nous avons un organisme en moutou, ça sera perpétuel. C'est une situation, c'est vrai, chers téléspectateurs, une situation extrêmement vaste, mais le problème se pose au niveau où. Il y a ma règle peut-être, sûrement, moi, si ma topé, ça me forme, il y a particulier. Mais là, la situation qui est là, et ça qui est là, le problème est tellement vaste que on ne peut pas tout prendre. Là, nous sommes en train de discuter sur le niveau de communication entre parents et enfants par rapport à Makambo et Talibolingue. Est-ce qu'au moins, comme on a 14 ans, par exemple, docteur? Tu commis 12 ans, moi ma règle, moi, mais période douana, azap le quoi, nous étions bimisi manga, chers parents, tout mes mamans, explication, bon, pour tout se comprendre bien. Et le quoi, nous étions bimisi manga, manga, ils en ont mon besso, babou qui va zang a raté. Or, tant manga, mon besso, c'est là que ça déjà coûté, là, dans mon engue, ça qui toko, babou qui peut mieux se commis, on a mon sou à okokate, kouk, ali, on a tellement moua, n'a pas nga yuana. Et c'est vers les âges de 14 ans, moi na komoro ngenga, akomiko sala ba soin na ye, o ba nchofa ba benga, na na fumuli ba mbwa na 16 ans ba petite fille so ba ni ko ngenga surtout pendant les vacances. Alors, à ce moment-là, la fille devient pimpante, elle brille et donc regard à Montonio surtout même au toza d'été qui a sala elle quoi, azoyer comme ses copines quoi, mais le regard est fixé. Comment protéger l'enfant par rapport aux deux groupes sociaux, même les trois qui le réunissent, donc la famille, l'école et l'église. Dans le cas, il y a les routes qu'on appelle l'éducation diffuse. Comment faire pour nous protéger moi contre Bama Kelele, il y a intermédiaire qui l'amène d'un groupe à un autre. Ce n'est pas évident. C'est une période quand même assez complexe. Au moins, moi, Barondeur et Bimi, moi, et moi, comme Miyoka.
Peut-être qu'on peut savoir ma réponse. Yokuto qui a 14 ans, je vois déjà ma fille tout le temps devant les miroirs. Quand tu lui demandes, tu vois, Zonissima et tout, j'ai dit, mon Dieu, j'ai un sérieux problème ici. Déjà à 11 ans. Alors je me dis, à 14 ans, ça sera au moins que moi, ma forme, à comment pour Nabilamba, au latin. Ah non, comment bang. En tant que parent, il y a mon père. T'as dit, Bayanke, il y a école et tout ça, ça t'effraie un peu. Donc, moi, je pense que les périodes, moi, sont très, très. Sensible au il faut vraiment un très très bon encadrement. La première des choses, je pense qu'il faudrait maman à comme vraiment camarade et mon année à moi, c'est très important. Il faut bandango avant l'air bandé dans ma solo là camarade né penda, donc très proche naé qui est pas de barrière entre eux. Ça permettra à l'enfant de s'ouvrir, et quand l'enfant s'ouvre, va vraiment s'ouvrir. C'est vrai, il y a des enfants qui sont hypocrites, mais docteur Moussou, peut-être, je sais pas si tu as une hypocrisie, mais à combien de mois agressivité, mon rôle naturel, c'est dit dans le cabato, on a une intention hypocrisie. Voilà. Mais au moins, on a dit que bon, mais là, ma solo, mon rôle est trop compliqué dans l'ingite au camoté. Donc, en fait, à l'ingite, mon toi, à télémélaï. Aligne ma cam donc bah mon aïe. Je pense qu'il peut voler de ses propres ailes. Voilà, il se sent quand même que je suis femme mais non. On me regarde, je mets les soutiens, j'ai telle forme et tout ça. Bah va remonter une sangana nzela et tout. Mais. Tantine. Yann. Tantine. Tantine, parce que il sort que. Vous allez quitter pour les gars publicitaires Vodacom. Alors, maman, il faut avoir temps au sol dans mon année à approcher en tant que. Parce que ça, période mon copain, il y a une forte rivalité. Surtout entre eux, les femmes. L'enfant se fait plus ami à son père. Mais il faudrait que maman a se surpassé. À Luka, il est à côté de la vois. Papa n'a pas le temps. Il est tout le temps parti. Mais avec la maman, ils auront temps de faire ensemble. Ah, donc, vous voyez bah, quand même que vous allez rater. Et ça m'a rembourré, bah, ils ont bon. Papa, ils sont so, tout le temps partis. En passant, je me souviens avoir suivi un film là où Batouni Mouana, qu'est-ce que fait ta maman? Elle travaille et ton papa, il est au foyer. C'était l'inverse. Là, c'est à l'européenne. Alors, comme maman a dit qu'elle a dit qu'elle a dit l'effort, voilà. Na vie, cette période-là, il y a rivalité vraiment entre maman et nani. Parce que, à comme mon les deux sont des femmes. À comme mon pas commis moi aussi. Alors, il y a une forte rivalité. Il faudrait que maman a étudié psychologie à moi, à un niveau, na, pour qu'elle a commis mon nani. Quand j'ai dit mon ingaï, donc faut pas que télé la makamunaï. Montre-lui que tu es une amie pour moi. Voilà, nganaïe, pas pour na détruire yo, mais naïe pour na sungaïo. Tout tambole ensemble. C'est vrai, bah, au lingaïo. Je ne refuse pas. Je peux pas aussi empêcher na bato na ba au lingaïo. Mais regarde les réalités de la vie. Voilà ceci, voilà cela, voilà les réalités de la vie. Abaniko expliquer. C'est vrai, dans un premier temps, ça peut passer. Après que tu en avais un petit copain, première déception, et commence à penser à sa mère. Ouais. Commence à penser à sa mère. Ah, maman me disait ça. Maman me disait ça. Maman me disait ça. Maman me disait ça. A comme si colère a eu déception, a rejoint la maman Mbam. Parce qu'elle a besoin de une consolation et tout. Voilà. Voilà. Ou quelqu'un de vraiment très proche à Poussani, a dû expliquer bien, peut-être cousine à maman Abango, qui est une tante. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est vrai, biso papa tolobarana biso, mais tout ça un peu limité. Déjà aussi dans la culture, vous savez, là, en tout cas, il y a moins des hommes qui parlent de sexualité avec leurs filles. Peut-être biso bamsusu yopo moi tout bouka moi barrière et puis il y a le fait que vous êtes médecin aussi, ouais, bon, il faut ajouter aussi ça. Ben sur baxi aspect balouba donc carrément mur malamor mais biso tout brisana owana tout percé. Donc c'est très important. Pendant cette période, vraiment, je demande à toutes les mamans faire vraiment cet effort-là pour éviter. Parce que ceux qui ont continué à jouer et à rivalité, c'est toi qui es perdante. Au quotidien, on a joué et à mon ami Alexandre Boise là au monde. Comme on bloque le téléphone, on bloque le bloque. Résistance, soit on a eu créé. Est-ce qu'on va bon? Comme il m'a fait ça, je vais faire aussi ça. Je vais faire ça. Parce que c'est une période où, et ça peut être très crucial, il faut vraiment faire attention. Qu'on ait la brutalité, qu'on ait la malheur, yo pour les cas yoana,
kene na malembe na malembe na malembe mais na bakristo balobi pe ke il faut recourir pe na moi le sambo moi parole de Dieu pe pour que ça moi na penze la nzambe esungaka c'est vrai peut-être soka yo ki conseil te mais soka fandi quand même akanisi pe moi lilobo ayoka ki na église pasteur a dit ki pe ke akozonga bazali bazongi non je m'étais entêté voilà ce qui m'est arrivé mais quand j'ai vu le pasteur il m'a expliqué point barre ma solo pécile. Alors, chers téléspectateurs, on est resté sur la petite fille. Vous voyez vous-même que bon, Motoïsa, vraiment, la étape est belée. La vie d'une personne fonctionne en tranche d'âge, de 0 à 6 ans, de 6 à 12 ans, et ainsi de suite. Et tout ça, il y a la vie d'une personne qui évolue avec, qu'on le veuille ou non, les questions de sexualité au centre. Nous sommes pratiquement en train d'aller vers la fin. Par rapport à cette émission, appelez le 089 81 21 004 si vous voulez intégrer les groupes. Nous insistons. Appelez-nous, dites-nous comment vous vous appelez, qu'est-ce que vous faites et montrez-nous votre profil. Et ça, bonjour, je vais intégrer le groupe. Bonjour, Yonani. Nous rappelons que nous avons eu sur ce plateau Dr Berry, notre Dr Berry de Tobinakae, avec la participation de 33 Chitenge, Isaïe Kitubo, Francis Mundele, Ornella Chakala. Ornella Chakala qui c'est vrai est vraiment dans ces murs, Benjamin Louyele qui nous ont accompagnés pour que cette émission puisse avoir lieu et que nous puissions donner le message, nous puissions passer le message et que nous n'ayons pas passé le virus à Linda Kibushi particulièrement. Au revoir et au prochain numéro.